plongé dans un univers, et là l'univers proustien, c'est un peu facile, mais c'est vraiment ça, avec tous les grands tenants de la ville culturelle d'une époque. Là, ça permet de se laisser aller un petit peu et de se replonger dans cet univers, cette époque. Je trouve qu'il y a beaucoup de... La mise en scène et la scénographie est très réussie parce que justement elle arrive à recontextualiser tout ça. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de douceur d'une façon générale. Et je crois que c'est nécessaire. C'est pas dissonant, c'est pas strident, c'est tout l'inverse. J'ai trouvé que dans certains portraits, il y a une vraie modernité qui éclate chez Blanche, même s'il se considère comme ancien, c'est un ancien si on parle de la querelle des anciens et des modernes. Malgré tout, il y a quand même quelques petits éclats de modernité qui jaillissent, notamment dans ses esquisses, c'est intéressant. Je pense, comme l'ont dit certains personnages de l'époque, parlant d'Émile Blanche, que la photo, c'est lui-même qui le disait, je crois, la photo est en train de perdre faire perdre toute la saveur des tableaux. Donc moi-même, j'aimerais d'ailleurs être peint comme l'a fait Émile Blanche, parce que je pense que, par exemple, pour... faire revivre un père ou un grand-père, le tableau, c'est idéal. Enfin, en tout cas, cette expo est un enchantement et on y retrouve cette belle époque. L'intérêt de l'exposition, c'est qu'on voit qu'il est en fait très lié à l'ensemble de l'élite artistique et aristocratique et bourgeoise de la Belle Époque, et c'est très intéressant. J'ai vraiment découvert quelque chose de tout à fait nouveau que je n'imaginais absolument pas. En plus, il y a le charme de la Belle Époque qui est très présent dans l'exposition, mais c'est surtout le nombre de personnes très connues qu'il a peint et avec qui il avait des relations amicales fortes. Et ça, pour moi, c'était une découverte, un peu le chaînon manquant de la Belle Époque. La manière dont l'exposition est construite rend bien compte justement de la période donc 1800 à 1910, donc toute la période avant-guerre, et puis après la période après-guerre avec les images de Cocteau, du maréchal Foch. Enfin, j'ai beaucoup apprécié cette exposition. La façon dont les tableaux sont mis en valeur, le raffinement de l'ensemble, le raffinement de l'époque aussi, le soin dans les costumes, dans les poses, dans les détails. Et puis une impression de un peu de temps suspendu, un peu comme si le temps n'avait pas de prise sur les personnages. C'est une très belle expo qui fonctionne un peu comme une machine à remonter le temps. Quand on est dans cette expo, on se rend compte que c'est une période assez rêvée, une période assez mythique. Et on est d'autant plus déçu de sortir d'ici parce qu'on se dit que maintenant les personnages qu'on va croiser en permanence, ça va plutôt être Ribéry, Paris Hilton et Marc Lévy, alors que là on vient de sortir d'une expo où il y avait Cocteau, Mauriac, Proust. C'est quand même beaucoup plus enrichissant que la machine qui va nous ramener maintenant sur le dehors de cette expo.